Yo tout le monde, c'est FXS Starring Crush. Bon bref, c'est aujourd'hui, je suis là, enfin, pour un nouveau petit tuto sur Cinema 4D. Pour si vous avez déjà fait une intro et que vous aimeriez faire une plus belle, par exemple, vous prenez l'intro que vous avez prise, que vous aimez. Bon, moi c'est celle-là en l'occurrence. Et il y a un petit truc à faire en fait. Le seul petit truc, c'est si on peut changer ça. Vous voyez la couleur là, on peut la changer. On peut, je sais pas, moi je vais mettre en orange. J'aime bien l'orange. On va aller dans couleur, on va mettre orange. Voilà, orange, c'est parfait. Et là, voilà, il est en orange. Et ça revient au même que tout à l'heure. Du coup, ben ça change rien en fait. Ça met juste en orange. Et ensuite, il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Mais j'ai essayé de mettre du blanc dessus à la place, mais ça ne marche pas, je comprends pas pourquoi. Je me demande de même pourquoi. Pourquoi? Bref, au pire, nous avons le montage, nous avons tout ça. Ouais, bon, bref. Donc, si vous regardez, si vous avez déjà fait, vous changez la couleur, ben ça change juste la couleur. Après, voilà. C'est bizarre. Voilà, hop, présente. Lac, voilà, vous pouvez changer aussi la couleur du sol, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse de changer la couleur du sol, mettre je sais pas, noir, je sais pas, ça va pas faire si beau que ça, je pense pas. Je vais regarder en image. Oh, non, ça c'est pas ça. Oui, arrêtez, c'est là, voilà. Ça ferait ça. Par contre, ne vous étonnez pas si ça vous met la couleur que vous avez mis avant. Ça fait pas très moche, mais voilà. Donc ça ferait comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal en fait. Mais bon, moi je mettrai pas noir, je mettrai une autre couleur. Je remets blanc. C'est plus beau. Hop, voilà. Donc il y a blanc, c'est parfait. Et donc si vous avez fait ça, bah ça peut vous aider, mais. Après, voilà, je pense que mon prochain tuto, c'est pas un tuto en fait, c'est la présentation de mon serveur une deuxième fois, parce que j'ai fait un truc, un McDo, et il est vraiment trop beau et j'ai pas fini. Je l'ai fini, mais j'ai plein de choses à faire dessus et je vais vous inviter à y aller dessus, mais voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé, et si ça vous intéresse, c'est juste faire ça, c'est un petit raccourci. Sur Cinema 4D pour changer juste une couleur. Et je viens de supprimer quoi. Bon, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Donc voilà, c'est FXS Starring Crush et j'espère que vous avez aimé. Et bye bye, à la prochaine.